mon rouge à lèvres, là, il est là. Comment? Il déborde un peu là. Il déborde un peu mon rouge à lèvres, ouais. Ça va là? Essuie. Ça va. Le vent ne peut pas arracher ma perruque, j'espère. Il arrache, là, c'est pas bon. Hein. On éteint avec les perruques. Voilà, tu dis? On éteint avec les perruques. C'était mieux avec, sans perruque? On était né avec. On est né avec la perruque, bien sûr. Je ne laisserai pas ma tête sans perruque, putain. T'as fait que là, acheter ton sac là pour moi. Tiens, tes mon sac, attends, je vais le mettre comme ça. Voilà. Yeah. Quelqu'un est en bas? Voilà, bonjour. Je veux un café. Excusez-moi, monsieur. Un cappuccino, s'il vous plaît. Monsieur, un cappuccino, s'il vous plaît. Un cappuccino. Oui, merci. Bonjour. Donc, voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez m'excuser, il fait très beau. Salut, ça va? Et quand il fait beau comme ça, on profite du soleil. Nous sommes fiers de sortir parce qu'il était temps. Il était temps qu'on sorte, qu'on profite de. Qu'on profite un peu. Je suis heureuse. Tu veux qu'on se mette là? De sortir. Non, ça va, c'est je suis bon? Bien là. Ouais, je suis bien. Merci, c'est gentil. Donc, je suis heureuse d'être là. Bonjour. J'espère que vous allez bien dormir. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis Fleur de Lille. Là. Je sais pas, tu penses que j'ai besoin de me présenter, Doudou? C'est un direct de quoi, en fait? Ça concerne un artiste. Ah, c'est le truc que tu disais là, ouais. Ouais. Mais donc, tu te présentes pourquoi, non? J'ai pas besoin de me présenter. On te connaît pas, on te présente plus. On me présente plus. Tu dis, on me présente plus. On me présente plus. Je suis Fleur de Lille, la reine mère. La mafo. Donc, je suis celle qu'on ne présente plus. La blogueuse. La plus charismatique. Le tsunami des blogueuses. Le roi. Le Mbappé. Je suis le... Je suis celle qu'on ne présente plus. Ma foi, avec sa ceinture. Le tsunami. Je suis le Mbappé. Le Mbappé. Des réseaux sociaux. Comme tu l'as dit, Dou. Okay. Comme tu l'as dit, Dou. T'as dit, j'ai plus besoin de me présenter. Non, on connaît déjà. On me connaît déjà. International, Fleur de Lille. Voilà. Tu peux me présenter. Hein. Je te laisse faire l'affaire. Je te laisse faire mon atalakou là. Présente-moi. Je veux pas que ma voix. Parle, on t'écoute. Présente la reine mère. Présente la maf. Elle a peur des abeilles. Présente la star que je suis. Les abeilles vont me dire co, elle whitease. Elle whitease. Elle whitease. Non, les abeilles vont pas dire ça. Tu as peur des abeilles ou quoi? Tu es leur futur. Leur futur tante. Hein? Bien sûr. Ah. Pourquoi futur? Tante, tu es la tante, voilà la tante. La tante, tac, 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 tac. Accompagné de votre père. Je suis accompagné de votre papa. De votre papa. Votre futur papa. Vous avez les pères. Les abeilles là. Le père, si je ne sais pas si vous allez accepter l'autre papa, si ou pas. Maman. Vous allez accepter, les abeilles t'acceptent, hein? Demande-leur. Vous avez votre papa. Demande-leur. Oui. Vous avez le perroquet. Votre perroquet. Le perroquet est là. Partagez, s'il vous plaît. Je ne vais pas mettre long parce que j'ai affaire. Je suis là, j'attends un rendez-vous parce que tout est encore fermé. Je me suis levée très tôt aujourd'hui. J'ai très bien dormi. Je me suis dormi comme un petit bébé. Pour ceux qui demandent si j'ai bien dormi, j'ai très bien dormi et j'ai dormi comme un cœur. Ma nuit était calme et bien. Donc j'ai très bien dormi, je me sens bien.
Je ne sais pas si vous avez vu comment j'étais heureuse ce matin. Je me suis levée très contente. C'est quand on est heureuse qu'on se lève avec la joie. J'ai très bien dormi. Je me suis levée avec la joie. J'ai commencé à chanter seule. Oui, j'ai commencé à chanter seule ce matin. J'ai commencé à chanter ce matin. Alors, le cappuccino. Merci. Merci. Voilà. Cool. Je peux vous demander un verre d'eau, s'il vous plaît? Bien sûr. Je peux mettre de sucre? Voilà. C'est trop. Pourquoi tu ne veux plus me voir manger du sucre? Si elle est là. Elle moi, quand il n'y a pas de sucre, j'arrive à prendre un café sans sucre. Hein. Je sais pas dit pas prendre. On demande, c'est le boxeur. Non, c'est le. C'est le catcheur. Tente me suivre en direct là. Ton faux profil, c'est quoi? Donne-moi ton faux profil, vite. Vite. Comment quelqu'un peut être avec moi et me suivre? Hein, les gens. Un commentaire qui va venir, je saurai que c'est toi. Commente. Je veux voir qui tu es. Je veux voir comment les abeilles me lavent là-bas. Les abeilles ne vont pas te laver. Montre-moi ton faux profil. Non. Pourquoi tu refuses de me montrer? Je suis mon vrai profil. Vous voyez comment les gens sont? Ils sont avec moi, ils ont le faux profil, ils ne veulent pas me montrer. C'est pas normal. Je suis détracteur. Très bon. Tu as tort de ne pas prendre le cappuccino. Il est très bon. Ah ouais? Ouais. Tu veux un cappuccino? Non, c'est bon. Et voilà. Merci. Un cappuccino pour elle, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas. Si, vas-y, on a beaucoup de choses à faire. Hein. Non, non, je veux pas de cappuccino. Un cappuccino. Non, c'est pas. Non, merci. Un quoi, un diablo? Tu veux boire le. Pas l'alcool le matin. Je sais pas, c'est que je veux diablo. Je bois de l'eau. Si ça se retourne sur toi, putain. Heureusement que t'es pas camerounaise, t'es pas africaine. Aïe! En fait, le soleil, il y a trop de soleil. Bah oui, je suis africaine, je suis quoi. Tu viens de. On change de côté. Il y a trop de soleil, en fait. Tu te mets par là? Ouais, je me mets par là. S'il te plaît. Attends. Ouais, je vais de l'autre côté. C'est mieux. Je me mets par là. Merci. C'était un. Ah ouais, ça se voyait, c'était clair là. C'est ton téléphone qui est comme ça ou quoi? Voilà. C'est mieux ainsi, hein. Merci. Merci. Voilà, merci. Merci. Merci, chou. Merci, trésor. Merci. Merci, trésor. Alors, je voulais vous parler de Prince Aimé. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je voulais vous parler de Prince Aimé, de l'artiste Prince Aimé. Cet artiste qui tape le scandale partout. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Oh là là. Mais arrêtez souvent de m'appeler comme ça. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Vous m'entendez là ou pas? Vous m'entendez quand je parle? Alors, je voulais parler de l'artiste Prince Aimé qui tape le scandale partout. Je veux être la première à dire la vérité. Parce que nous sommes fatigués de ce genre de comportement. Ah, ma puce, tu reprends du poids. Pourquoi vous aimez toujours régaler le poids des gens comme ça? Franchement, c'était le confinement, tout le monde était enfermé. C'est normal que j'ai pris du poids. Arrêtez un peu. Tout le temps, tu as pris du poids, tu as pris du poids. Vous aussi, vous n'avez pas pris le poids. Pourquoi vous êtes toujours en train de voir le poids des gens? Tu es un peu vieilli, moi je te bloque. N'importe quoi. Non, mais moi je comprends pas les gens. Hein. Toi, tu dis j'ai pris du poids, j'ai pris du poids. Et alors, ce confinement, tout le monde a pris le poids. Arrêtez tout le temps de dire tu as pris du poids, tu as pris du poids. C'est quoi? Je t'ai dit que je suis mal à l'aise avec mon poids. Hein? Je t'ai pas dit que je suis mal à l'aise à travers mon poids. Arrêtez de juger mon poids tout le temps. Tu as pris du poids, tu as pris du poids. Arrêtez un peu ça. Moi, ça ne m'arrange pas comme ça. C'est pas grave, je ne suis pas en train de cacher. Ma faute, on voit à travers. Et puis quoi?
si on voit, ça veut quoi? On vous a dit que la personne se cache. Donc je ne suis plus libre d'avoir des amis. On voit. La personne se cache pas, c'est pas les caméras. Donc c'est même pas une Camerounaise, donc elle s'en fout. D'accord? Porte quoi? Tout le temps tu as grossi, tu as pris du poids. Franchement, arrêtez un peu. Toujours en train de juger les gens sur leur physique. Tu as pris du poids, tu as maigri, tu as pris du ventre, tu as pris ceci, tu as pris... Arrêtez un peu. Vous n'êtes pas fatigué de tout le temps de faire ça? Je peux mettre le truc qui modifie. Hein? Si j'ai pris du poids, en quoi ça te regarde? Vous aimez toujours commenter. Si vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas obligé de commenter. Tu écoutes ce que je dis ou bien tu juges le poids que j'ai pris. Tu n'as pas besoin de dire que j'ai pris du poids. Tu ne sais pas de quoi je suis venu parler. Donc il faut arrêter. Vous êtes souvent que quand quelqu'un vient ou dit des choses. Ah, pardon. Désolé, monsieur. Pardon. Ou alors parler plus doucement. Ouais, pardon. Merci. Pardon, désolé. Pardon, je m'excuse. Il n'y a pas de mal. Hein. Ouais. Donc, comme je disais, je ne suis pas seule. Hein. Je suis quelque part où il y a des gens. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui est un peu fâché. Je ne suis pas obligée de m'énerver comme ça. Vous voyez, j'ai pris la terrasse. Donc, je t'ai entendu que j'ai cru que j'étais chez moi. Pardon. Tu es notre star. C'est normal qu'on surveille ton poids. Donc, je vais parler à voix basse parce que je ne suis pas chez moi. Et je ne suis pas seule. Donc, il faut que je parle. On n'est pas fou, les ouais. Là. Vous même vous connaissez comment les boîtes sont. Et je, d'ailleurs, même je dois parler de ce mot, c'est normal. Alors, je voulais parler de l'artiste Prince Aimé. Prince Aimé a tapé le scandale à Charles de Gaulle. La vidéo se balade partout. Et cela énerve tout le monde. Ce n'est pas normal que Prince Aimé ait tapé ce scandale. Mais ce n'est pas la première fois. Voilà pourquoi j'ai tenu un peu à parler de Prince Aimé. Je connais quelqu'un qui a traîné avec Prince Aimé, qui a fait le même foyer avec Prince Aimé. Je vous parle de l'histoire de Prince Aimé. Prince Aimé arrive en France, il arrive en Europe par la Belgique. Il est en Belgique, ça ne se passe pas très bien. Il quitte la Belgique pour la Suisse. Il arrive en Suisse, il intègre un foyer des malvoyants. Le foyer comme les foyers des jeunes garçons. Un foyer des malvoyants. Il intègre le foyer des malvoyants. Il est dans le foyer des malvoyants. Il rencontre un frère camerounais qui l'a aidé. Quand il rencontre ce frère camerounais, il se présente comme camerounais dans ce foyer en Suisse de malvoyants. Non, je ne peux pas changer de place. Quoi? Donc, Prince Aimé intègre un foyer de malvoyants en Suisse. Dans ce foyer, quand il arrive, il dit qu'il se présente comme un Camerounais. Et là-bas dedans, on lui dit que... on lui fait savoir qu'il y a aussi un autre Camerounais malvoyant qui vit dans ce foyer. Et les gens du foyer décident de lui présenter ce Camerounais-là. Et c'est comme ça que le Camerounais là, le tient par la main, parce que le Camerounais a été déjà en Suisse depuis et il était aussi dans ce foyer. Et c'est comme ça que ce Camerounais commence à donner les conseils à Prince Aimé, comment se comporter quand on arrive chez les Blancs. Prince Aimé, c'est un scandaleux. Il vit au foyer, il ne sait pas qu'il faut passer par étape par étape pour obtenir les papiers. Avant d'arriver en Suisse, il quitte de Paris parce qu'il traîne aussi à Paris, ça ne se passe pas bien, il va en Suisse. Il est dans le foyer en Suisse, il rencontre un frère camerounais. Le frère camerounais lui raconte comment, quand on est dans un foyer, on doit aussi mettre les mensonges dans son histoire pour pouvoir obtenir vite son kaolo. C'est un foyer où
où il y a les malvoyants et où il y a aussi les gays. Parce qu'ils demandent l'asile politique. On ne demande pas l'asile politique au Cameroun en tant que malvoyant. Mais on peut demander l'asile politique en tant que gay. On est bien d'accord, le système de tout le monde, puisque officiellement il n'y a pas la guerre au Cameroun. Donc pour demander l'asile politique, il faut plutôt demander comme un gay ou bien inventer une histoire, une autre histoire. Je vais balayer les commentaires, c'est mieux, parce qu'il y a quelqu'un qui dit que ton genre sang ne donne plus, métis noir, je te bloque. Arrête de voler. J'arrête de regarder les commentaires. Ça me perturbe en fait, tu vois, quand tu lis les commentaires. Je bloque aussi je vais bloquer beaucoup de gens. Parce que c'est mieux quoi. Comme ça ils ne viendront plus, c'est mieux. Bloque la copine. Attends, je vais bloquer quelques personnes d'abord. Ne mets plus les tripes. Il y a quelqu'un, attends. Si tu as demandé de. Tu as demandé de comment. Voilà. Voilà, très bien. Alors, comme je vous disais, le prince aimé était dans un foyer en Suisse. Il arrive dans ce foyer en Suisse, il rencontre son frère camerounais qui lui dit que voilà comment ça se passe quand on est dans un foyer, on se comporte bien. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans le foyer, on respecte les heures. Si on vous dit que vous rentrez à 20h, vous deviez être là à 20h. On respecte le foyer. Dans le foyer, il dit aux gens qu'il est artiste, qu'il est un chanteur. Le Camerounais lui dit que dans ce foyer, on peut te payer l'école. On peut même te payer une formation. Tu peux aller au conservatoire pour vraiment faire ta musique. Le Camerounais lui raconte plein de choses. Le Camerounais lui présente. Vous savez, quand vous êtes dans les foyers, les encadrants cherchent toujours à savoir sur la vie de chacun en cachette, en fait, pour savoir si votre histoire est réelle ou pas. Donc, ils font le gentil avec vous, mais en même temps, ils sont en train d'enquêter sur votre vie pour voir si vous ne mentez pas. Comme le Camerounais lui avait dit des choses, il a donc fait l'amitié avec les encadrants. Il a tout balancé, le Kongosa. C'est comme ça que Prince Aimé part raconter alors tout le Congo, ça, comment les Camerounais font les faux papiers, comment les Camerounais sont malhonnêtes, comment les Camerounais, il a raconté tout. Quand il finit de raconter comme ça, il croit que il sera bien vu au foyer. Tu connais l'homme blanc, non? Vous connaissez l'homme blanc, comment il est? Aimé, il commence maintenant dans le foyer là à croire que il est maintenant le patron du foyer. Il commence à faire comme s'il était le patron alors qu'il n'a pas les papiers. Il commence à dire qu'il ne mange plus la nourriture des blancs. C'est comme ça que Prince Aimé dit qu'il ne mange plus la nourriture du foyer, qu'il veut manger maintenant que la nourriture africaine. Oh, t'es sérieux? Les encadrants du foyer, on trouve quelqu'un qui prépare. Mais t'es sérieux? Les encadrants du foyer lui donnent ce privilège. Parce qu'il était déjà une balance. Les encadrants lui donnent d'abord ce privilège de lui faire livrer la nourriture africaine, les repas africains qu'il veut. Dans sa chambre, parce qu'on avait envie que il balance tout. C'est comme ça que chaque fois on fait livrer la nourriture africaine dans la chambre. Après, c'est mais il mange. Il devient ennemi avec le Camerounais qui l'avait amené, qui lui donnait les conseils dans le foyer. C'est comme ça qu'un jour, Prince Aimé bagarre. Il bagarre avec le Camerounais là. La bagarre de ça. La bagarre de ça dans le foyer en Suisse.
la bagarre, il commence à dire qu'il veut rentrer en France. Il arrive au foyer, il n'a même pas duré. Il y a les démarches administratives pour avoir les papiers. Il est pressé. Il dit qu'il veut rentrer en France. C'est comme ça qu'il tape le scandale au foyer. Il commence à faire comme il a fait à l'aéroport là. Il commence à faire ce que vous avez vu à l'aéroport, c'est petit. Il commence à taper le scandale dans un foyer en Suisse. Essoufflement, moi, il tape le scandale, il casse les choses, comment il veut rentrer au Cameroun, je veux rentrer, il en a marre de l'Europe. Il voulait se prendre dans ce foyer aussi les Européens, hein. Mais il croyait que... Ouais, mais il croyait qu'il était déjà plus blanc que les blancs qui étaient là. Il croyait qu'il était le patron du foyer, parce qu'il faisait le Congo-sa sur les autres personnes. Malvoyant, mais le Congo ça de ça, la bagarre, tout, on le chasse du foyer. Voilà son histoire, on le chasse du foyer, que il dégage, on lui donne, on l'avait donné, que demain vous partez du foyer. Il a dit que qu'il va tout casser dans le foyer avant de go. Oui, on a chassé l'autre Camerounais là, le Camerounais du foyer qu'il avait accueilli pour lui dire les biches, comment on mange, pour avoir les papiers. Après, il s'est mis à tout balancer. On a chassé le Camerounais là, on l'a chassé de ce foyer pour lui changer de foyer. Quand c'est mis à bagarrer avec les idées, bagarrer au foyer jusqu'on l'a chassé. Il a dit qu'il veut rentrer en France. On le rapatrie en France. Vous connaissez les Français, non? On rapatrie quelqu'un qui a le kaolo en France. Si tu es français, tu fais quelque chose, on dit que rapatriement, on te dit que c'est ton pays. Quand c'est mis, on dit qu'on le rapatrie en France. Il n'est pas français. Mais il cherche un rapatriement en Europe alors qu'il n'a pas le cas. C'est comme ça que le foyer lui dit que vous n'êtes pas en règle. On ne peut pas vous rapatrier en France. Parce que vous n'avez pas les papiers en France. Vous n'avez pas la carte de séjour. Vous n'avez rien en France pour qu'on vous rapatrie en France. On va que vous rapatrier au Cameroun. Si vous voulez rentrer, c'est au Cameroun qu'on vous envoie et non en France. Il donne rendez-vous. Que oui, il n'y a pas de problème. Le jour que on sait qu'on va lui rapatrier donc au Cameroun pour l'accompagner, il fuit. Il fuit le foyer en Suisse. Il part maintenant à la gare. Où on dit que c'est la gare de Genève ou c'est Lausanne. Il se déshabille nu. Il tape le scandale, il se met nu à la gare. À la gare. La gare de TGV. Après, ses mains se déshabille, se met nu. Il a commencé à faire comme un fou. Qu'on doit le rapatrier en France. Taper le scandale à la gare. On dit que les Camerounais qui passaient faisaient seulement. Il disait que je suis Prince Aimé, un artiste camerounais. Et tout, les blancs sont racistes. Il a commencé à insulter. Il a la gueule. Hein. Il a commencé à insulter là-bas jusqu'à. Oh, rapatriez-moi. Oh, taper le scandale à la gare. On dit que. 5 policiers sont venus l'attraper. C'est comme ça qu'on l'a ramené encore dans un autre endroit en Suisse pour le injecter, pour se calmer parce qu'il est très agité. C'est comme ça qu'on l'a donc piqué, ce qu'on pique pour calmer là. On l'a amené dans un autre endroit en Suisse. Il s'est mis nu comme un ver de terre. Vous comprenez? Prince Aimé s'est mis à la gare, demander aux gens qui connaissent à la, en Suisse. Il a bagarré avec les policiers en Suisse, à la gare. On l'a amené, on l'a enfermé, on l'a injecté ce que le blanc injecte pour calmer là. On l'a piqué. Quand tu es trop agité, comme il est, on l'a piqué le truc qu'on pique là. On l'a ramené encore dans un autre endroit, toujours en Suisse.
Et un jour, il a fui, il arrive en France clandestin. Il arrive en France, maintenant il a commencé à dire qu'il chante à la gare. C'est qu'on chante la guitare là. Prince se met à une famille, il a les gens. Vous comprenez? Mais c'est que c'est quelqu'un qui est agité, il aime le scandale. C'est son habitude. Demander à ceux qui le connaissent de vrai. C'est son habitude ce qu'il fait là. Vous connaissez combien d'années il a fait ici en Europe? Il a déjà fait au moins 9 ans. S'il se tenait tranquille, il aurait eu ses papiers. Il serait. Il y a les non-voyants qui travaillent, qui ont des formations. Mais chaque place où il est passé, il tape le scandale comme vous avez vu à l'aéroport. Quand vous dites qu'il veut rentrer au Cameroun, il veut rentrer au Cameroun, vous pensez que c'est au Cameroun qui sera mieux? Vous pensez qu'il sera mieux au Cameroun? Je ne pense pas qu'il sera mieux au Cameroun. Il est bipolaire. Il aurait eu ses papiers. En tant qu'un handicapé, il aurait eu ses papiers depuis. Il serait en règle. C'est parce qu'il ne veut pas se calmer. Et sa famille, tous ses amis lui ont dit de se calmer. Il tape le scandale comme ça depuis. Il a toujours fait ça. Vous comprenez? Donc la vidéo que je vois, ça tourne là. Ça ne vaut rien par rapport à ce qu'il fait qu'on ne filme pas. S'il rentre au Cameroun, là où on dit qu'il rentre au Cameroun, là, ça sera fini pour lui. Il ne peut pas s'en sortir. Ici, il y avait un encadrement. On pouvait le soigner. Un handicapé comme lui ne peut pas souffrir en Europe. Vous connaissez comment on encadre ici en Bénin. Il est né comme ça, ce n'est pas la frustration. C'est quelqu'un qui aime le scandale. Il y a les handicapés plus handicapés que lui. Il n'est pas sur une chaise roulante. Hein? Il n'est pas plus handicapé que certains handicapés dans ce pays. Il n'est pas frustré. Pourquoi il va être frustré? Non. C'est parce que quelqu'un qui a d'abord un fond pas correct. Je ne sais pas si c'est la drogue. Il est profondément atteint, mais c'est ici qu'on doit le soigner, c'est pas en Afrique. Quand il commence son scandale, il a une force surnaturelle, comme si les démons étaient entrés en lui. Même 10 policiers ne l'arrêtent pas. Il n'a pas besoin d'être méchant, parce qu'il est né comme ça. Il y a les handicapés ici en Europe, plein. Il a un problème très grave de santé mentale. Oui. Les papiers, c'est la patience. Prince Aimé n'a été patient en rien. Il a vécu en Belgique, en Suisse, en France, dans 3 pays. Vous voulez dire que, même si on dit que les 3 pays là sont méchants, donc tu peux vivre dans 3 pays, la Belgique, la Suisse, la France, en tant qu'un handicapé, tu te sors de là sans papier. Je ne sais pas s'il est arrivé au Cameroun. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a tapé le scandale comme ça, parce qu'il a rentré. Mais je peux dire qu'il y a le Mbanga sur ça. Il y a le départ. Vous savez que dans ce pays, à force de tourner dans les foyers, tu peux finir par fumer le départ. Tout ce qui tape le scandale, qui veut rentrer là, c'est pour attirer l'attention. Vous comprenez? Vous pensez que dans ce pays, quelqu'un peut dire qu'il veut rentrer? Le blanc souhaite même, il y a le retour volontaire.
Dans quel pays on ne souhaite pas qu'un immigré vienne dire que je rentre? Est-ce que pour qu'il rentre, on a besoin de faire les réunions? Non. Il se présente à la police, on lui donne même un capital. Je ne sais pas où c'est 600 euros qu'on te donne pour que tu ne reviennes plus jamais. Les Roumains prennent ça tous les jours, ils fuient. Après, tu les vois revenir encore. Il y a un montant qu'on donne aux gens qui veulent rentrer volontairement. Peut-être ça doit être 3 000 euros. Ça doit être peut-être 3 000 euros comme ça. Retour volontaire. Les Roumanies, là, Romania, ils prennent ça tous les jours, l'argent des blancs, là. Les Roumains, là, pour eux, je crois que pour Roumanie, peut-être c'est 150 euros qu'on les donne. Ils prennent ça tous les jours, ils reviennent encore en France. Mais pour l'Afrique noire, je pense que ça doit être dans les 3 000 euros, un truc comme ça. Hein. Mais tu signes un papier que tu ne reviens plus jamais. Demandez à qui vous voulez. Il est au pays depuis la semaine passée. Je ne sais pas. Il est traumatisé. Il a un trouble, je pense, psychologique. Voilà, c'est ça. Il est 10h. Le temps qu'on arrive sur Paris, là, on sera dans les temps. Pardon? Tu dis? Ta voiture, elle est là. Ça fait déjà 30 minutes. 30 minutes, bah, on y va. Qu'il ne faut pas une amende. Voilà, c'est 6 000 euros pour l'Afrique. Pour quelqu'un qui dit que je rentre de la France pour toujours, on lui donne 6 000 euros. Oui. S'il est déjà au pays, c'est bien. Mais attendez seulement. Vous allez avoir les nouvelles. Voilà. Voilà la vie de Prince Aimé. Chaque personne qui a été pressée pour les papiers, ça finit toujours mal. Ici en Europe, quand tu veux réussir, tu es patient et tu écoutes. Ben, n'est pas facile, c'est vrai. Mais pas de cette façon-là. La façon qu'il veut montrer là. Jusqu'à il s'enroule par terre à l'aéroport. Vous pensez quand il fait ça, il souille les qui? Il souille tous les Africains. Il ne souille pas que les Camerounais, il souille les Africains. Moi, ça ne m'a pas plu de voir cette vidéo-là. Voilà pourquoi j'ai fait cette sortie. Pour vous dire que c'est quelqu'un qui est comme ça depuis. Que ça ne vous choque pas. Il a fait pire que ça. Sur ce, je vous souhaite bonne journée. Je ne peux pas soutenir ce genre de comportement. On dit qu'en Europe, quand tu arrives, ça veut, la façon que tu plaimes, les premières personnes que tu rencontres pour marcher avec eux, c'est eux qui vont définir ta vie en bête. Si tu tombes sur les buveurs de bière, tu vas finir buveur de bière. Si tu tombes sur les drogués, tu vas finir drogué. Si tu tombes sur les gens qui se battent, tu vas te battre, tu vas t'en sortir. Si tu tombes sur des personnes qui traînent que les bars, tu vas traîner les bars pendant toute ta vie de bière. Pardon, comment ça fait pipi? Dans, vas-y, tu as fait pipi? Mm-hmm. D'accord, vas-y. Tiens, tu payes aussi là-bas le café. Moi, je ne soutiens pas les conneries. Ces conneries qu'il a fait là. Je ne soutiens pas ça. C'est pas vraiment faux. C'est 1700 euros et ton billet retour. Même si c'est 1700 euros qu'on te donne pour le retour volontaire, c'est bien, non? Quelqu'un comprend ses mails là, on lui donne ses 1700 euros, on paye son billet d'avion. Je sais que le retour volontaire, on te donne quelque chose. L'État te donne. Parce que quand tu restes en banque, même si tu es sans papier, tu coûtes trop cher à l'État. Le temps que vous volez les tickets de train, vous volez, si vous volez, c'est, tu coûtes cher au gouvernement. Donc s'il te donne même 1700 euros, c'est rien. Vous pensez que chaque immigré en France, on dépense combien sur lui? Chaque immigré, on dépense combien? Donc l'argent qu'on lui donne même là, c'est rien. Vous pensez que quand il vivait au foyer là, qu'on lui donne à manger tous les jours, si on calcule, c'est avantageux pour le blanc que tu rentres en Afrique. Hein? Vous pensez que tu vas aller dans quelle police, dire que tu rentres
on va te supplier que reste. Quoi? Sans vous dire, sans vous a menti. Mais n'est pas facile, oui. Force à lui, comme tu dis, Dikamé. Force à lui. Il va comprendre qu'il tape d'abord même toi, moi, au pays. Il faut qu'il y ait les gens autour de lui qui vont l'aider. Hein. Le pays, quand tu viens d'arriver, c'est bien. Oh. Au pays, quand tu es malade, pour te soigner, tu payes. Hein. Au pays, quand tu es malade, tu payes l'hôpital en Afrique. Tu payes pour te faire soigner. Tu penses qu'on va le soigner parce qu'il est prince aimé? On y va? Moi, j'ai ça, moi, avec une boîte à musique. On va y aller, ok? Voilà, bisous. Bonne journée à tout le monde. Je vais y aller, je vais à l'hôpital voir la matière. Et puis, je vais continuer à parler. Bisous.